Parlons maintenant des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païen, vous étiez entraîné de façon irrésistible vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrit « Maudit soit Jésus ». Et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse. À un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un la foi et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, à un autre encore, la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous bu de ce même Esprit, seul Esprit, pardon. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or et à un autre 200 et à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces, agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. »
Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit : Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Tu récoltes ou tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Son maître lui répondit : Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que je récolte ou je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque et, à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. Merci Nathalie, merci Bruce aussi. Hein. Alors cette parabole de Jésus dans Matthieu, dans le chapitre 25 là, on l'appelle la parabole des talents. Là, c'était 500 pièces, 200 pièces, 100 pièces. En fait, dans le discours de Jésus, c'est 5 talents, 2 talents, 1 talent. C'est une unité de mesure de pièces de monnaie. Donc là, en nouveau français courant, ils nous ont traduit pour que ce soit plus facile, plus compréhensible, et aussi pour que ça paraisse tout de suite plus important. C'est pas juste une petite pièce comme si un centime d'euro, c'est tout de suite des pièces d'or, 500 pièces d'or, 200 pièces d'or. Ça fait des sommes importantes. Cette parabole, si vous avez bien suivi la lecture, elle démarre avec le maître qui va partir en vacances. Chers amis, c'est le début des vacances scolaires. Vous allez, pour certains d'entre vous, partir un petit peu en vacances. Est-ce que vous allez être comme le maître ? Comme le maître qui va confier à ceux qui restent des talents particuliers, des pièces particulières, pour qu'ils puissent continuer le travail en dehors de votre présence. Alors par exemple, pour ceux qui travaillent justement, pour ceux qui sont encore actifs, bah, pendant que vous partez en vacances, que vous prenez quelques jours de congé, quelques semaines de congé, eh ben, dans la boîte, dans l'entreprise, il faut que ça continue à tourner. Comment est-ce que vous accompagnez vos collègues, vos collaborateurs, vos N plus quelque chose ou N moins quelque chose? Comment est-ce que vous les accompagnez pendant ce temps où vous allez être indisponible? Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à décrocher de mon téléphone. Comment est-ce que vous allez accepter, comme le maître en question, de dire: ok, j'ai le droit à la déconnexion, je laisse mon téléphone et maintenant je pars en vacances, l'esprit tranquille, j'ai donné à chacun ce qu'il était en mesure, en capacité d'utiliser pour poursuivre le travail pendant mon absence. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne vont pas prendre de vacances. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà pris des vacances. Je regarde vers Anta qui a déjà pris ses 3-4 mois de vacances à Madagascar, qui là, maintenant, elle va rester ici. Comment est-ce que ceux qui restent là, ils acceptent de recevoir des talents et d'avoir une responsabilité ici, en restant là, en demeurant, de prendre soin de l'œuvre, de continuer à ce que les talents qui ont été confiés, eh ben, ils puissent encore être utilisés et croître. Là, on n'est pas dans de la décroissance, hein. On est réellement dans de la croissance. L'objectif des 5 talents, l'objectif des 500 pièces, ça va être d'être utilisé pour pouvoir produire encore d'autres pièces. Et à tel point que celui qui a eu peur du maître, qui a caché son talent, qui a caché ses 100 pièces d'or, eh ben, il se fait réprimander par le maître en disant: t'as été un mauvais serviteur.
Je t'ai confié quelque chose pendant le temps où j'étais absent et tu n'as pas agi comme il le fallait. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi comme il le fallait? Parce qu'il avait peur de la réaction du maître. Il avait peur en se disant, oh là là, si j'agis mal, si je perds les sous, si j'utilise mal mes talents, je risque de me faire tirer les oreilles. Sauf que finalement, la réaction du maître à son retour de vacances nous prouve qu'il valait mieux essayer d'utiliser, quitte à perdre, les talents, que plutôt de les enfouir et dire, je préfère pas les utiliser. Alors cette parabole, évidemment, elle n'a pas uniquement pour objectif de nous raconter une belle histoire. Cette parabole, j'ai commencé en vous parlant là de vos temps de vacances, que vous soyez ici, que vous soyez au loin. Cette parabole, elle vient nous parler à nous aujourd'hui, en 2024, à l'été 2024, de ce qu'on va faire des charismes que Dieu nous a donnés, des dons que Dieu nous a donnés. D'où la première lecture qu'on a entendue, cette lettre que Paul envoie aux chrétiens de Corinthe. Et dans ce texte, dans cette lettre que Paul envoie aux chrétiens de Corinthe, il parle en particulier des dons de l'Esprit-Saint. Nyeiku, est-ce que tu veux bien nous remettre à partir du verset, je crois, 4. Je ne sais plus si c'est le verset 4 ou le verset 6 qu'il faut commencer. Parfait, c'était bien verset 4. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Verset 5, s'il te plaît, Nico. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Et verset 6, s'il te plaît. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Merci Nico. Mais c'est le même. Trois fois, Paul dit « mais c'est le même », mais il ne dit pas la même chose à chaque fois. Pour le premier, il dit « c'est le même esprit ». Pour le deuxième, il dit « c'est le même Seigneur ». Et pour le troisième, « c'est le même Dieu ». Et si vous avez été très attentif les versets avant, il était dit que si on a l'Esprit de Dieu, alors on est en capacité de dire « Jésus est Seigneur ». En grec, c'est « kurios ». Jésus est Seigneur, Jésus est kurios. Et donc dans le verset 5 qu'on vient de relire, que je viens de vous relire, on a « mais c'est le même Esprit ». Mais c'est le même Seigneur, c'est-à-dire c'est le même Jésus, et puis c'est le même Dieu. Et donc là, on parle du Père. Dans ces trois versets de 1 Corinthiens 12, verset 4, verset 5 et verset 6, on a une révélation de la part de Paul de ce qui se passe avec le Dieu trinitaire. Et donc, comme nous, réformés, on n'est pas toujours très à l'aise avec la question de l'Esprit-Saint, on est plutôt à l'aise avec le Dieu créateur, le Père, on est plutôt à l'aise avec le Christ qui donne sa vie et qui va ressusciter, mais avec l'Esprit-Saint, on a un petit peu peur de partir un peu olé olé dans du grand brouhaha, dans une cacophonie, et du coup, généralement, on met l'Esprit-Saint un peu de côté. Or, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, une fois que Paul a dit « c'est le même Esprit, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu », il va nous parler de ce que l'Esprit-Saint donne, à savoir ce qu'on appelle les charismes. Frères et sœurs, s'il y a un Esprit de Dieu qui vous a permis un jour de confesser la seigneurie de Jésus-Christ,
qui vous a permis de dire un jour « Jésus, tu es Seigneur ». Et tout à l'heure, au début du culte, Dominique, qui nous a donné la confession de foi, le symbole des apôtres, il a dit « On va commencer en donnant la confession de foi ». Donc on va dire ensemble, on se rassemble en disant ensemble la confession de foi. Et bien si l'Esprit vous a donné de dire avec l'Assemblée, avec cette Église formée aujourd'hui, d'élever la voix et de dire, de lire, ou peut-être de connaître par cœur, je ne sais pas, mais de dire l'autorité du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, alors soyez convaincus par l'apôtre Paul que cet esprit, il vous donne aussi des charismes particuliers. Peut-être vous vous dites, moi je n'ai pas de charisme, moi je suis ni charismatique, au sens de je sais parler comme ça aux foules, je sais haranguer les foules, je ne suis pas fait pour de la politique, moi je suis fait pour du petit travail, moi je ne suis pas fait pour être comme ça mis en avant. Mais quel est ton charisme? Avoir un charisme, ce n'est pas forcément être charismatique, au sens de savoir haranguer les foules justement. Savoir monter sur un petit... comment tu faisais là, devant le Sacré-Cœur? Tu mettais quoi au sol? Tu te mettais juste comme ça en bas des marches du Sacré-Cœur et tu interpellais les foules en leur disant que Jésus était Seigneur et Sauveur pour leur vie. T'avais quoi? T'avais la vingtaine. On n'est pas tous comme Patrick à être en capacité d'aller devant le Sacré-Cœur et de dire aux gens que le royaume de Dieu est arrivé et que Dieu les aime et que Dieu est un Dieu de miracles. Mais si l'Esprit vous a donné la possibilité de dire Jésus est Seigneur, si au début de ce culte vous avez eu la capacité de dire je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ son Fils unique, je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, si vous avez été en capacité de le dire, même si c'était juste de la lecture, que ce n'était pas du par cœur. Alors Paul nous dit, c'est l'Esprit Saint déjà qui agissait en vous, qui vous a donné la possibilité de parler. Et si vous n'avez pas dit de votre bouche, mais que vous l'avez dit déjà dans votre cœur, alors c'est déjà l'Esprit Saint qui a commencé à travailler en vous. Et si vous n'avez pas reçu le baptême comme Nelly il y a combien? Il y a 2 mois déjà, Nelly? 3 mois? Oh là là, t'es une vieille chrétienne, ça y est. Tu vas avoir des cheveux blancs de chrétienne maintenant. Même si vous n'avez pas encore reçu le baptême, si déjà vous avez été en capacité de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, alors cet esprit-là, il travaille en vous et cet esprit-là, il vous donne des charismes. Vous êtes compétent. Ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Vous avez reçu des dons de la part de Dieu. Et ces dons, ils ont été cités tout à l'heure, on ne va pas les reprendre, mais ils ont été cités. Je vous invite à les reprendre chez vous, 1 Corinthiens chapitre 12. Vous reprenez ces dons-là. Vous ne les avez pas tous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous pensez que vous allez avoir le don de faire des miracles, le don de guérir, le don d'avoir la foi, le don d'avoir des paroles de sagesse, le don de parler dans des langues inconnues, les langues des anges, le don de discerner les langues inconnues, etc., mauvaise nouvelle, c'est là, vous n'avez pas bien compris ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Il vous dit, vous avez reçu, à certains a été donné ceci, à certains a été donné cela. Vous avez reçu au moins un don, vous n'avez pas reçu tous les dons. Et c'est juste et bon dans le plan de Dieu que vous n'ayez pas reçu tous les dons. Parce que du coup, c'était pour ça qu'on a été jusqu'au verset 13 ce matin. Si vous prenez dans vos Bibles, vous verrez, c'est découpé, il y a jusqu'au verset 11 avec cette question des dons spirituels. Et puis à partir du verset 12, on parle sur le corps de l'Église, qui est corps du Christ, avec les différents membres. Et dans ce 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, il y a les fameux passages de « L'oreille, elle ne peut pas dire au pied, tu ne sers à rien ». Moi, je ne peux pas dire à Patrick, par exemple, je ne peux pas lui dire « tu ne sers à rien » ou « CC, il ne peut pas me dire à moi, tu ne sers à rien ». En fait, on est tous utiles, on est tous importants. Ça, c'est à partir du verset 12. Mais avant, vous avez reçu un don particulier.
qu'est-ce que tu fais de ce don ? Et maintenant, vous comprenez pourquoi au début, on a commencé avec la parabole de Jésus, la parabole des talents. Vous avez reçu au moins un talent. Peut-être vous en avez reçu 5, peut-être vous en avez reçu 2, vous en avez reçu au moins un. Pendant cet été, qu'est-ce que vous allez faire de ce talent-là ? Si vous partez au loin, est-ce que vous prenez votre talent et vous vous dites « je vais l'utiliser et il va produire d'autres talents encore là où je vais aller ?» Excusez-moi avec le micro. Est-ce que si vous restez là, vous allez l'utiliser ce talent pour qu'il puisse produire du fruit ? Est-ce que vous allez plutôt agir comme le maître, à dire « ok, moi j'ai confié tous mes talents, j'en ai plus là, je pars en vacances, je vais à La Rochelle et j'ai plus de talent, j'ai tout laissé à Mantes-la-Jolie. » Qu'est-ce que vous allez faire pendant cet été ? Dieu, il a besoin de vous. À tel point que l'Esprit de Dieu donne des talents. Et Dieu, dans le verset 6, lui, il produit des œuvres. Et le texte, le mot grec qui est utilisé, nous précise des œuvres qui sont efficaces. Des œuvres qui révèlent le plan de Dieu. Des œuvres qui permettent à ce que ça construise réellement. Qui édifie. Qui sanctifie. Et entre ces dons, ces charismes que l'Esprit y donne, et ces œuvres que Dieu y fait et auxquelles on participe à accomplir de manière efficiente, eh ben, on apprend que celui qui est le Seigneur, Christ, lui donne des ministères. Les ministères en grec, c'est ceux qui viennent se mettre au service. Là, aujourd'hui, on est au deuxième tour des élections législatives et on se demande qui vont être les ministres. Frères et sœurs, vous avez reçu des talents, des charismes. Vous allez produire des actions avec le Père qui sont efficaces. Vous allez le faire. C'est ça que Paul dit. Et pour cela, vous allez être mis en position de service, de serviteur humble, de servante humble. Je le crois, il n'y a pas de repos pour l'action d'évangélisation. Il y a du repos en Christ, il y a une posture, une position à avoir, reposer au pied du Seigneur, mais après Dieu, il attend que vous soyez à l'œuvre. Il attend que vous puissiez utiliser aujourd'hui et chaque jour de cet été, où que vous soyez, quelles que soient les personnes que vous rencontriez, en ayant conscience que vous êtes appelé à utiliser vos dons, vos compétences particulières, dans un esprit de service, à genoux, et avec la conviction que Dieu, il est déjà agissant. Que ce que vous faites n'est pas vain, parce que Dieu vous y a appelé et que Dieu ne vous abandonne pas. Il est fidèle et il restera auprès de vous chaque jour de cet été. Soyez bénis. Amen.